1985, le 11 juin. Il est midi pile sur le pont de Glinicke au sud de Berlin. C'est ici que va avoir lieu le plus important échange d'espions de l'histoire. Du côté est, un petit bus vient d'arriver. Il y a eu ce trajet avec le bus depuis la prison. La pression à ce moment-là était tellement forte que je me disais tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Man ist nur bedingt Herr seiner On n'est plus tout à fait maître de soi-même dans ces moments-là. Ça a atteint les limites de ce qu'une personne peut psychologiquement supporter. Sur le pont de Glinicke, un balai de véhicules blindés. L'Américain Richard Burt, lunettes noires vissées, s'avance sur le pont. Il vient saluer Wolfgang Vogel, l'homme qui a négocié cet échange de prisonniers pour la Stasi. Des sourires et des poignées de main s'échangent. Jamais dans l'histoire, la CIA et le KGB n'ont été aussi proches.